Nous sommes samedi, Orléans, avec les amis. Ils sont là derrière. Déjà, on va chercher un petit resto parce qu'il doit être pas loin de midi. Il y aura du Ikea, il y aura peut-être du Sephora, il y aura de la balade, il y aura des petites choses. Et il fait beau. Ça va, il fait même pas trop chaud, donc c'est cool. Ici, c'est Place d'Art. Il y a toutes les grandes enseignes, les Mango, les Zara, les H&M. On va aller plutôt sur la rue principale comme la dernière fois. Nous sommes à la brasserie Studio 16. C'est la place comme la dernière fois du Mar 3 avec la statue de Jeanne d'Arc. Vous prenez un apéro ou pas? Un whisky coca avec une rondelle de citron, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Il y a quoi de drôle? C'est original, le coca dans la petite fiole. Évidemment, le citron. Tartare d'avocat? C'est moi. J'ai pris un tartare d'avocat avec des crevettes. J'ai hésité avec ta salade. Ah ouais, bah franchement, elle est belle. Hein. Ouais, non, elle est très belle. Et toi, c'est tartare Marie-Jo de thon. Tartare de thon. Ils mettent avec des tataki. Tataki de thon. C'est des pâtes chinoises. C'est la sympa. J'avais plus l'habitude, très honnêtement. Retour au café gourmand. Et je suis quand même, à chaque fois, c'est soit des frites, soit des cafés. Il est pas mal. Ah, mais attends, parce que je me suis fait tirer mon cannelé. Non, c'est amandine. C'est une amandine. Un financier. Ah, moi, au contraire, ça me fait digérer, là, tu vois. Oui, c'est vrai que ça fait du bien. C'est pour là et là. Nous sommes à Ikea, j'ai envie de faire une sieste. C'est la digestion. J'ai été chez Sepho, je me suis trouvé ce que je voulais pour l'élève, un contour que j'ai essayé d'ailleurs. Contour 4 bandes, je crois. Allez, go to Ikea. Vous êtes là, les filles? C'est original hein, comme penderie. J'adore. Ah ouais, j'adore. Ça, j'aime bien. C'est quoi comme... Ah, c'est. Qu'est-ce que. Feutrine, ouais, on dirait. Cher client, offrez une seconde vie à vos anciens meubles contre une carte d'avoir. Rendez-vous sur la rubrique seconde vie sur ikea.fr et suivez les étapes indiquées. J'ai perdu les filles, ça y est. J'adore cette ambiance tamisée comme ça, regardez. C'est très agréable. Hein. Très très agréable tout ça. Vous voulez voir quelque chose les filles peut-être? J'ai pas eu le temps de ranger. Il y avait déjà là l'escalier, ouais. Ah oui! Ah, regarde, je suis en train de les mettre. Tu vois? Bah, c'est ça que je trouvais sympa, les lumières vraiment tamisées, ça fait tout. Hein. Une autre ambiance. Tu vois, c'est la longueur qu'il faudrait là-bas. Quoi, les étagères, elles sont belles. Et pourquoi celle-là? Elles sont très belles. Disons que celle-là, c'est gris déjà, je vois les noirs. Elle est belle. Je n'irai pas dans ma cuisine. Ah bah non, l'atelier il est toujours là. Ça n'a pas changé tant que ça. Très jolie la bibliothèque. C'est vrai que t'as tout de suite envie de mettre un beau fauteuil juste à côté. Qu'est-ce que nous avons? D'accord, c'est un autre style. Ça aussi j'aime beaucoup, ce miroir là. Waouh, très chouette. Je suis venue vraiment dans l'optique de rien acheter. J'ai besoin de rien, tu me verras. Ils sont très beaux ces verres. Transparent, c'est des verres à vin. À vin rouge même. C'est beau. 3,99€, ils sont pas chers. Hein. Ça doit être fragile. Ouais. Ça rigole plus là-bas, ça parle des étagères. Ça négocie. Attention. Granule. Tu m'entends, tu vas prendre le Eh ben non, il t'en faut pas beaucoup pour être heureuse, toi. Ouais, et là, t'imagines, l'autre, elle a plein caddie, elle va avoir 5, même pas 50 euros, l'autre, elle va peser toi, un truc, mais oui. 119. Et moi, non, j'ai flashé, je n'ai rien acheté. Je vais enlever l'autre blanc que j'ai, parce que j'en ai marre. D'accord. Je vais mettre celui-là pour mes coussins. Oh, dis donc, tu peux nous montrer ce que tu as ici? C'était dans mais c'était dans la première box. Dans la première box, oui, j'ai commandé la première, j'ai adoré. Et bah maintenant, je suis ça adepte et j'achète toutes les box. Eh ben écoute, merci. Attends, parce que de près, j'ai trouvé ma lampe. J'avoue, elle est originale. Ah bah là, franchement, tu vois, chez moi, pas du tout. Chez toi, je vous avouerai que c'est celle-ci que j'aimais bien. Ça passe ou ça casse. J'aime bien. Et toi, c'est comment? C'est laquelle, toi, Marie-Blanche? Oh, très campagne, chic. D'accord. Celle-là ou celle-là, ou saute là-haut. J'aime d'accord, beaucoup. D'accord. Bon, qu'est-ce qu'on fait, les filles? La mienne, elle est pas chère, elle est à 19. La tienne est à 19, bien sûr, la mienne est à 149. Mais toi, t'aimes bien tout ce qui est un peu design. C'est original. Il faut la voir vraiment de près. Va la bouger. Regarde. Ah ben voilà, c'est du marbre. Ah ouais, chez toi, si. Chez toi, oui. Ah oui, carrément. Voilà. Hein. Non, mais je la crois. C'était en argent, mais en laiton.
Il n'y en a plus. J'ai presque envie, mais j'ai pas le droit de prendre celle d'expo. De toute façon, tu peux pas la débrancher. Ah, je suis deg. Je la voyais tellement bien à la maison. Faut que je trouve quelqu'un, je vais demander si je peux la prendre. Oui, il est très beau ce tabac-jour. Mais dedans, il y a du plastique, j'aurais peur. Ça chauffe un peu et que ça passe. Je sais pas, pour ça plus haut que ça. Le tissu, il prend feu. C'est même pas du tissu. Ça peut rendre super bien, je pense. J'ai trouvé aucun vendeur. Et j'ai surtout perdu les filles. Qu'est-ce qu'il y a? Ben non, bah oui, vous êtes partie, vous m'avez même pas attendu. J'ai vu un cadre, viens voir Marie-Jo, c'est magnifique. Le bleu là. Ah, avec la fleur de pique. Oh, j'adore. Oh, c'est trop bien. La vôtre. C'est la pose. Fra, cassé, j'en peux plus d'IKEA. En plus, ma lampe que j'ai, il n'y a pas. Par contre, ça. J'aime beaucoup. Ça, c'est bon, c'est un smoothie gingembre. Me voilà rentrée. Eh ben mine de rien. Oui, ma puce. 7h51. J'ai toujours pas digéré de ce midi. Je vous montre mes achats très raisonnables. J'ai trouvé, donc, comme je vous ai dit, petit contour des lèvres. C'est le Lovecraft que j'avais déjà testé. Voilà, celui-ci. Et c'est tout. Oui, non. Et à la caisse, en fait, elle m'a dit, est-ce que vous voulez avoir ces surprises de nouveautés? Je pense en format mini. Et ben moi j'ai trouvé ça cool. Le côté surprise. Alors si ça se trouve, ça va pas me plaire du tout. Je ne sais absolument pas ce qu'il y a dedans. Et il y en avait pour 5 euros. 5 euros, t'as deux petites découvertes. On va découvrir ensemble. Attends, je vais faire un par un. Ça sera mieux. Oh non. D'accord, bon. Masque. J'en ai déjà. Ok, donc c'est une nouveauté litchi. Ok, très bien. Et l'autre? Deuxième masque, non? Non, mais ils sont sérieux. Ok, d'accord. Ouais, bon, ça vaut pas le coup. En plus, j'ai pas de baignoire. Voilà. 5 euros. Super. Eh ben, j'ai passé une excellente journée. Vous avez vu, il faisait super beau. Et ben, je suis pas mécontente de me poser. Et surtout, oh là là. J'ai... Ah oui, parce qu'il faut savoir qu'Eric, il y avait des livraisons qui arrivaient. J'en ai eu 4 ce matin avant de partir. Et il y avait également d'autres livraisons qui devaient arriver. Donc Eric, il a fait le guet toute la journée. Et c'est arrivé. Enfin, il y en a un qui est arrivé. Les autres, ce sera lundi. Toujours pour mes box à venir. Comme je vous ai dit, à chaque fois, je demande à tester les choses, à les essayer pour valider. Je ne suis absolument pas déçue, tout est là à côté, j'ai trop envie de vous montrer, je ne vous montrerai pas, mais c'est canon. Donc dès demain, alors on me demande dimanche, lundi j'appelle et je pense que je valide, c'est même sûr. Waouh, 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 j'adore. Et si vous commencez à me connaître, vous savez ce que je vais manger ce soir, vu que j'ai trop mangé, je suis barbouillée. Et oui, ça va être melon, fraîcheur, nickel et petit yaourt. C'est prêt. Pour Eric, c'est l'écrasé de pommes de terre noisette. C'est excellent. Des petits nuggets de poisson, enfin de cola. Et moi, ben voilà, une petite salade fraîcheur, on va dire, melon, feta et basilic. Évidemment, je vais mettre un petit peu de balsamique, je pense. Voilà. Par contre, il faut que je mette quelque chose. Mais dis donc, t'es très beau encore. J'adore que tu sois comme ça. Mon bébé. Alors, il est extrêmement doué pour jouer la comédie. Et... action. Je veux voir de l'intensité dans ton regard. D'accord. Coupé. Coucou. Alors, c'est le lendemain, c'est dimanche, et il faut que je vous dise quelque chose. Concernant hier, en fait, chez Ikea, à un moment donné, je vous ai montré un abat-jour blanc, fluffy, un petit peu comme un nuage. Ça faisait ça, les photos, ça rend tellement bien, hein, aussi bien dans une chambre que dans un salon. Tout ça pour vous dire que j'étais là-haut ce matin et je me suis dit, waouh, ça ferait tellement joli. Je vais vous montrer. Tout là-haut. Et concernant la lampe, je pense qu'effectivement, en bas, petit coin lecture, ça pourrait rendre tellement bien. Surtout que la lampe, non, l'abat-jour un peu nuage, comme j'appelle, il est à 15 euros. Ça vaut vraiment le coup. Et la lampe, 19. Donc, je vous montre quand même. Je vous montre quand même. Alors, j'ai pas ouvert le volet. Hein. Il fait jour, c'est le matin. Et bien ici, à la place de celui-ci, et le côté comme ça, un peu fluffy, ça rendrait trop bien. Je vais essayer de mettre un PNG en simulation. Attendez, je me recule, je ne bouge plus. Vous voyez l'idée? Oh, j'aimerais trop. Et donc en bas, ah, passage
Alors, il ne sait pas miauler, il miaule en même temps qu'il baille. Ça donne un truc un peu bizarre. Ici, les amis, à la place de la petite rose, je pense que ça aurait pu être cool. Là, il y a la méridienne. Et pareil, la belle lampe, là, que j'aimais bien, il y avait le même version. Je ne sais pas si je voulais filmer, moi, je l'ai fait une photo Insta. Version luminaire. Pareil, 39 euros. Il y a des trucs qui valent vraiment le coup. Voilà les amis, ça va être tout pour ce petit vlog. Parce que cet après-midi, donc dimanche, je pense que je vais aller chez ma maman. Faire un petit coucou. Mais d'abord, je vais faire le montage de ça. Il faut que je fasse le mood board d'inspiration pour la box. Et il fallait que je fasse autre chose. Publier une photo. C'est formidable. Mais ce genre de truc, si tu le fais bien, eh ben, ça prend un peu de temps. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que ce petit vlog Ikea et compagnie avec les amis et tout s'est bien passé. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, salut.